Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Donc, je voulais vous montrer les différentes étapes de ma plantation de curcuma. Donc, ça c'est le début. Bien sûr, j'avais fait une vidéo en entier, mais j'ai pris et j'ai fait des morceaux pour vous faire une vidéo complète de A jusqu'à Z. Donc là, je prépare le terrain pour pouvoir les mettre dans le sol. À savoir que ces morceaux de curcuma, je les avais achetés au Netto. C'est dans des petites boîtes en fait. Et moi, par hasard, en fait, je les avais achetés pour les utiliser, mais je les ai oubliés dans le bac à légumes dans le frigo. Et du coup, quand je les ai sortis, il y avait les rhizomes. Donc. Alors du coup j'ai dit je vais tenter le coup, puis je vais les mettre dans le sol, et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà. Donc là je les ai plantés, vous voyez un petit peu, ça pousse. Bon bien sûr vous voyez j'ai mis des cendres, j'ai mis des copeaux de bois, c'était l'année dernière, hein, donc voilà. Et là ça c'est quelques semaines après, etc. etc. Donc vous voyez ça pousse. Et là... j'avais regardé sur internet, il fallait que les feuilles soient jaunes, jaunes, et pour savoir si on pouvait les cueillir. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, ça commence petit à petit. Voilà, déjà les plants de tomates, ils ont déjà. Voilà, là ça c'est. Vous voyez, là c'est le moment. Et bon, j'avais pas. Ils ont pas quand même. Je veux dire, ils ont pas eu assez de temps pour pouvoir vraiment qu'il y ait beaucoup, mais j'ai fait l'expérience et cette année je vais renouveler l'expérience et puis je vais voir ce que ça va donner. Donc voilà. Donc vous voyez ça, toutes les feuilles là, c'est le curcuma, hein, c'est les feuilles du curcuma. Vous voyez, c'est même sorti parce que des fois quand il pleut comme ça et bien quand j'arrose, ça sort, mais les racines ils sont ancrées dans le sol. Donc voilà, et puis voilà, les feuilles petit à petit, vous voyez, jaunissent. Voilà, je crois que je vais encore laisser. Vous voyez, j'essaie de vous montrer un petit peu. À chaque fois, je recouvre, et puis ça on voit les bouts de curcuma hors du sol. Donc là c'est bon. En plus je les ai bien situés. C'est un bel endroit ici parce que c'est le soleil reste plus longtemps, et puis c'est là où je plante tout ce qu'il y a à planter. Donc les plantes tomates, juste les plantes tomates bien sûr, ils sont sur le côté là. Donc voilà. Et là on était bien avancé. Je pense ça doit être au mois de novembre ou au mois de parce que les plantes tomates sont finies. Donc je pense on était rentré dans la période soit de l'automne, soit de l'hiver. Donc voilà. Et puis là maintenant, vous voyez, je vais les cueillir. Vous voyez les feuilles, ils sont jaunes. Elles sont jaunes. Donc du coup, normalement c'est le top départ pour pouvoir les cueillir. Donc là je les enlève. Bien sûr ça n'a pas eu le temps de ça a pas eu autant des morceaux de curcuma de se former dans le sol. Donc là je vais récupérer les racines, et puis je vais les mettre dans le sol, dans les pots pour cette année. Et comme ça je vois un petit peu. Je fais l'expérience et je vous montre, comme ça vous aurez pas il y aura des expériences que vous pourrez sauter, et puis passer directement à l'essentiel. Donc là ça c'est les racines, je les ai mis dans les pots, et puis ils sont là, je les ai mis à l'intérieur. J'ai protégé du froid bien sûr, et puis cette année je vais les sortir. Voilà les amis, à très bientôt.